zéro. Bon, quelle est l'énergie du jour, j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que Tsonga, là je le sens là, tu vois, Tsonga, là il est en train de me dire en Bluetooth qui va gagner. J'ai aucune question, François, c'est vraiment juste le plaisir, franchement, de vous avoir. Non, mais je vous le dis, mais vraiment, vraiment, c'est juste le plaisir, là, je me fais plaisir, je suis fan. Ton rapport avec le tennis, toi, c'est quoi? J'ai toujours rêvé de faire du tennis, mais comme je vois pas clair, je ne peux pas jouer. En tant que spectatrice, tu vois quand même ou pas du coup? Bah, je mets mes grosses lunettes qui sont dans mon sac avec des gros lorgnons. J'ai une anecdote, c'est qu'on m'a envoyé une photo de moi quand je travaillais à Roland-Garros, genre quand j'avais 19-20 ans. Ils avaient mis sur la place des Mousquetaires la Coupe Davis, ils l'avaient exposée et je devais la surveiller toute la journée, debout. Voilà. De la Coupe Davis. J'ai la photo là en plus. Mes parents habitaient juste à côté de Roland-Garros, ce qui fait que je venais ici dans les années. Donc, je te la montre à toi, comme ça tu filmes sa réaction. Exactement. Mais je la montre pas à la caméra. Voilà. Il n'y a pas de cris intempestifs, de machin, blablabla, je pense qu'il chante. Ta-la-la-la, les trucs de corrida. On sent que ça t'énerve, ça, le petit. XXXL la veste. je t'ai dit, je suis tout fin. Et ils m'ont donné une veste qui n'était pas à ma taille et les manches, elles m'arrivaient là. Attends, je vois pas avec le. Parce que je crois que le soleil vient de paraître. Est-ce qu'on pourrait. On les cure pour ton gars. Je porte bonheur. Ouais. Ah, et bah écoute, voilà. Écoute, on verra ça. Du coup, on va vérifier maintenant. On va vérifier. Pour Joe Wilfred Tsonga, un petit ta 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 ta.